Bonjour, s'il y a des gens. Salut Julie, salut Caroline. Bon, je suis venue un petit peu en avance parce que je vais aller au boulot à pied. Donc, pour pas perdre de temps, je vais brancher le téléphone. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Alors, est-ce que c'est pas mal là? Ouais, ça a l'air pas mal. Bonjour Nicole. Donc, je vais faire juste un rappel. Rappel, la dernière fois, on a fait cette page-là, qui est la page 1, avec une pochette où on pourrait, enfin, une sorte de cadre qui normalement n'est pas collé sur les côtés. Oui, c'est ça. Hop, vous voyez, on peut passer l'outil. Donc, on pourra y glisser une photo 10 par 10. Et là-dessous, après, je ferai les places photos, mais je les ferai en dernier, suivant le papier qui me reste. Ensuite, on a la page numéro 2. Bonjour. Avec une place photo devant, avec un tag. Voilà. Ou d'ailleurs, on pourra mettre aussi une petite photo, hein. C'est de la récup de l'intérieur, là. Rien ne se perd, rien ne se perd. Oui. Bon, c'est bon? Et la page, elle s'ouvre comme ça. C'est aimanté. On peut mettre photo ici et là, photo, photo et photo à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait en live. Et aujourd'hui, j'ai préparé 4 pages. Je sais que j'arriverai pas à faire 4 pages, mais c'est pas grave. Donc, j'ai préparé la première page. Salut Jen! Donc, vous voyez, j'ai vraiment bien préparé, hein. Je suis trop fière. Bref, j'ai préparé. Alors, il y a la page rose, qui est la page 3, et la page grise, qui est la page 4. Ça sera comme ça dans l'album, face à face. Donc, celle-ci.
J'avais dit que je voulais faire une pochette. Donc, j'ai pris un papier blanc. Donc là, j'ai pas pris du... comment il s'appelle? Du basil. J'ai pris du DCP, 250 g blanc de La Fontaine. J'ai fait ma pochette. Alors, j'ai fait une pochette qui fait 11,5. Même, attendez. Oui. Elle fait 11,5 avec la pâte de collage. Et en long, comme ça, elle fait 22,8. J'ai fait, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais regarder dans le retour du téléphone. Oui, on voit bien. J'ai fait en fait un rebord épais. Donc, j'ai fait un double trait en fait, 2 mm plus loin. Donc, j'ai calculé que ma pochette, je voulais qu'elle fasse 19,3. Ensuite, j'ai tout le reste, c'était les pattes de collage. J'ai fait 2 mm après, donc à 19,5, si vous voulez. Et là, hop, ma pochette, elle fait 10 cm le premier pli, 10,2 le second pli. Et après, le reste, c'est pour une pâte de collage. Du coup, quand ça va être plié, on aura donc une pochette ici, comme ceci. Voilà, ça fera ça. Et là, vous voyez qu'il y a des repères. C'est parce que j'ai calculé, avec un brouillon, pour faire un onglet. Je vous avais dit que je voulais faire un onglet, que ça soit plus facile à attraper les livrets photos, parce que ça sera une pochette pour livret photo. Donc, j'ai fait des repères parce que j'ai fait des tests avec la perforatrice, comme ça, là, qui fait normalement des enveloppes. Ça doit être de la marque Artemio, je crois. On va utiliser ça pour faire cet onglet-là. Et donc, en fait, j'ai fait des repères pour pouvoir, en fait, avec un papier décoré, où est-ce qu'il fallait que je fasse mes encoches, hop, pour avoir un bon liseré, un bon décalage, quoi. Que ça ne fasse pas comme ça, en fait. Que je ne me foire pas. Donc, si je fais l'onglet, il faut que mon papier décoré, il ait un onglet aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai fait les bonnes encoches au bon endroit sur un brouillon, en fait, pour ne pas me planter. Donc, une fois que j'étais sûre de ne pas me planter, j'ai fait les petits traits. Salut, Créa Délice. Donc, ici, il va falloir qu'on décore avec un papier. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais... mettre. Et le deuxième papier ici, c'est donc une feuille qui fait 20 sur 13,2. Donc, hop là. Il y a donc une pochette qui fait 11 cm, enfin un rabat de 11 cm. Après, il y a un deuxième pli à 11,2. Et le reste, c'est la pâte de collage. Ça viendra se glisser ici. Et on aura ceci. Et la pochette là, elle sera cachée dessous. Et il y a un rebord du coup de 0,2. Parce que la pochette là, elle est large de 0,2. J'aurais pu la faire un petit peu plus large, mais voilà, j'ai pas fait. Et donc en fait, on aura ceci. Alors attendez, j'essaye de caler comme il faut. Hop là. On aura ceci. On ne verra pas la pochette de l'extérieur. Hop. Ici, il va donc falloir qu'on choisisse un papier décoré devant et derrière. Et ici, sur notre pochette. Ou un papier uni ou un papier à motif. Hein, on s'en fout, mais voilà. Donc, allez, c'est parti. On va faire notre pochette. Alors, avec ma perfo, là, comment j'ai fait? J'ai fait le repère... C'est de ce côté. J'ai fait le repère et en fait, le repère que j'ai fait, ça doit être le coin au fond. Donc, j'essaye de m'aligner. Et ça fait ça. Donc, c'est ça. Alors, c'est parti. J'essaye de me repérer. Ce serait peut-être pas mal mon point papier, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là.
Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, moi ça va. Il fait beau aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir du soleil. Donc, là c'est bon. Et maintenant, il faut couper là. Donc, massicot et on coupe. Et voilà. Et là, on a notre onglet. Tidin. Donc, bien évidemment, faut enlever les marques du crayon papier. Bon, les écritures là, je peux les laisser hein, puisque ça va être couvert de papier. Oui, Kylian. Donc, mais pourquoi faire? Il n'y a pas besoin d'allumer de la lumière. Oui, c'est pour mettre ça et voir alors une. On va voir que ça brille. Ah, mais non, mais t'as qu'à le faire charger au soleil. Ça fera pareil, hein. Non, parce que ça marche pas. Si, si. Non, mais ben, il faut pas le laisser 2 secondes, c'est sûr, hein, mais le phosphorescent, ça va marcher à la lumière du soleil. Donc, je vais la coller direct. Bonjour Sophie. Et donc on met de la colle sur les pattes de collage. Voilà. Coucou Katia! Et là, on colle notre pochette. Alors, un pliard, hop. Donc là, on a notre truc où on pourra glisser les places photos. Et celle-ci. Donc celle-ci, elle va dessous. Comme ceci. Et là, c'est caché. Donc, c'est parti. On va coller. Après, je mettrai les aimants et tout. Faut que je les retrouve. Ah, mais c'est là-bas. Alors, ne faisons pas de bêtises.
Donc on a ceci. Hop. Et quand on ouvre, après, on aura la pochette pour mettre les places photos. C'est cool, hein? Là, je mettrai une photo, je pense aussi. Donc, je prends ma boîte à trésors. Et je sors des aimants. J'en prends 4. Ouais. Donc je vais mettre des aimants sur la pochette là pour qu'elle soit tenue. Donc je vais les mettre bien au milieu. Hein. Enfin bien au milieu. Je les mets pas au bord non plus parce qu'il ne faut pas. Comment dire? Faut qu'avec mon papier décoré, ça puisse bien se recouvrir. Qu'on, si je le mets trop au bord, ça ne fera pas. Mon scotch de masquage. Non. Non. Je désespère, j'ai beau utiliser un papier de marque en base de page et un papier décoratif de qualité type Atelier de Garine en co, à chaque fois ça gondole. Avec la taille qui glue, la clé au col, j'ai tout essayé. Alors. Moi, j'utilise celle-là, là, la colle, là, c'est la... Il est où mon bidon? Hop. La colle vinylique Giotto. Je sais qu'il ne faut pas en mettre de trop, parce que oui, sinon ça gondole. Mais j'ai mal collé mon aimant, là. Après, il y a la colle Stamperia, la colle à papier Stamperia, qui est super. Que j'utilisais avant. Elle était très bien. Après la Takiglu, je l'utilise mais pour faire les des plus gros trucs. Ouais, voilà, j'aurais dit pareil que Jen, elle est allée au pinceau. Moi, je sais que bon, celle-là, là, quand j'utilise la pointe fine, j'en mets pas non plus de trop. Mais il y a peut-être des cols qui gondolent moins. Hein. Je sais pas. Après, je vois plein de gens, du coup, qui n'utilisent plus les cols et qui utilisent les double faces. Mais malgré tout, le double face, c'est pas. Pas une question d'intérêt parce que oui, d'une, si tu te loupes, ben du coup, t'es vraiment. t'es vraiment. je vais pas dire le mot, mais pour recommencer, hein, puisque ton double face, t'auras beau le décoller et ça va t'arracher ton papier. Par contre, le double face, moi j'en ai utilisé des très bons sur certains albums et il y a. Ça se décolle. Enfin, au bout d'un moment. Pourtant, c'était pas du double face action hein, que j'utilisais et franchement, il s'est décollé. Donc moi, je me dis, je préfère que ça gondole un peu. C'est pas non plus... Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes dedans? Ah. Merci pour cette précision. Tu fermes bien la porte et tu tires bien la chasse après. Salut !
Ça a ses limites si les projets sont lourds. Ouais, voilà. Franchement, bah, c'était un album test hein, que j'avais fait et tout. J'avais pas de photos à l'intérieur et tout ça. Mais je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et j'ai remarqué que c'était tout en train de se décoller. Alors pourtant, j'avais mis la dose de double face et c'était du bon double face. Donc. Ah, c'est ça, la papier Kleber de Rayer, elle est super bien. Elle ne gondole pas. C'était Laetitia, non, qui l'utilise beaucoup, cette colle. Après aussi, au bout d'un moment, elle utilisait, parce que je l'avais achetée, la colle à pointe fine de chez Stamperia, je crois. Et elle est super bien. Moi. Je sais que la colle de Stamperia, elle est super. Il y a la Nuvo aussi qui est pas mal à ce qui paraît. Mais moi, celle-là, franchement, j'ai acheté le bidon il y a peut-être 2 ans. Ou 3, et dedans il y en a 1 litre, et moi je suis 1 kilo, je suis bien contente, hein. Je m'en sers tout le temps, c'est celle que je me sers à chaque fois, voilà, j'étale bien au pinceau, et puis voilà, sinon oui, tu peux mettre et du double face et de la colle, peut-être que... Peut-être que ça serait pas mal. Ouais, la Nuvo, elle est pas mal. Bon, bah, Katia a dit qu'elle est bien à la colle Nuvo. J'aimerais bien m'en acheter un truc. Bon, allez, faut trouver les papiers qu'il faut aller avec. Je voulais mettre du jaune. Pourquoi? J'en sais rien. Ou du rose. J'ai peur que ça fasse trop rose. Non, ça ne fera pas. Et si je mets du bleu? Parce que il me reste pas beaucoup de papier. Ah ah. J'ai donc sélectionné des papiers pour les pages d'après. Et en vrai, il faudra qu'il me restera encore 2 pages à faire. Et il ne me reste plus que ça. C'est la cata. Donc, je sais pas. J'ai envie de laisser comme ça pour l'instant et de voir après. Pour la déco, mais franchement, après, bon, la déco là, il y a quoi? Une feuille de papier là qui va faire du coup 19,5 par 12,7. Alors, je suis équipée, j'ai le gros flacon et j'ai le comme ça. Celui-là, il fait 120 grammes. Alors, je remplis le 120 grammes avec mon kilo. Et après, je remplis le petit flacon avec ce flacon-là. Voilà. Comme ça, je suis au taquet. Une technique. Ben oui, je remplis avec une seringue. Eh, pas mal. Ben, en fait, là, le trou, il est assez gros pour remplir avec le gros bidon. Et après, du coup, là, c'est assez gros avec le petit embout, tu vois. Donc, non, mais ces trucs, ils sont valables, hein, ces machins de chez AliExpress, là. J'avais acheté ça il y a 3 ans. Et la colle, elle sèche jamais du coup. Avec le petit capuchon en plastique, là, c'est top. Doc, bon, du coup, je vais pas faire la déco maintenant. Je verrai après quand il me restera du papier. Parce que pour voir ce qui me restera. Parce que je vous jure, j'ai prévu des trucs. J'ai fait des recherches de pages ce week-end et je suis tombée amoureuse. Donc. Je vous ai fait 2 pages interactives juste après. Accrochez-vous, hein. Ça va être top. Donc, la page d'après. Alors, attendez, je vais prendre mon papier où j'ai marqué les mesures. Ma page qui est juste ici. Je vais tout sortir. Hop, hop. Voilà. Donc,
on a cette page là qui est juste une page simple avec des livrets photos. Hop là. Est-ce que ça va tenir après les livrets photos? Ou est-ce qu'il faudrait qu'après, peut-être que je mettrais un ziboui-boui là pour attacher la page? Bon, il y a les aimants, ça va tenir là. Mais après, si je mets un livret photo, attendez. Vous voyez, ça risque de faire, mais remarque, ça sera plus épais quand il y aura les photos dedans. Donc non, ça le fera. Ça le fera. Vous voyez, ça va faire comme ça. Ça fait bien. Bref. Bref. Donc, la page, je la mets de côté. Et donc là, on a la page grise. Donc, c'est la page numéro 4. Donc, sur la page numéro 4, on va faire une cascade interactive. Donc, vous savez, c'est quand on tire, les photos se déplient. Alors, ici, on va faire une cascade interactive qui va être cachée sous la page. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de trois morceaux de papier. Voilà. Donc, mon premier morceau de papier, il fait 9,5 sur 27, sur 26,9. Donc, 9,5 sur 26,9. Vous prenez un côté, peu importe lequel, on s'en fiche, et vous faites un pli à 5 cm, un pli à 1,3 cm loin, donc à 6,3, un pli à 1,3 cm de plus, donc 6,3, 7,6, et 1,3 cm après, ça vous fait 8,9. Voilà. Et donc, votre morceau de papier ressemble à ça. On marque bien le pli en avant, en arrière de chaque partie. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive, il était aux toilettes. Mais il arrive. Donc, une fois que vous avez bien marqué vos plis, le dernier pli là, qui est en haut, vous allez le plier et il va être comme ça en fait. Notre papier, il doit ressembler à ça. Les 5 cm et puis 1,3, 1,3, 1,3. Et le reste. Tac. Après. Oui. Vous rentrez, mais vous faites pas de bruit. Hein. Vous pouvez regarder la télé et les dessins animés si vous voulez. Ah. Ok, d'accord. Mais pas de bruit. Pas de dispute. Et on enlève ses bottes. Oui. Donc, désolé, les enfants. Il va vous faire un deuxième bout de papier. Qui fait 24,4. Vous faites un pli à 4 cm et à 4,2. Donc, ça fait maman, ça. Oui. Tu peux mettre une cape. Oui, je peux te mettre ta cape de parfait. Oui, c'est juste aller dehors. Oui, d'accord. En fait, maintenant, ça, c'est une cape de super-héros. Ah, une cape de super-héros. Oui. D'accord. Super-héros. Ouais, un super-héros qui se dispute pas avec son frère et qui fait pas de bruit parce que papa il fait la sieste. Et je vais sauver ma maman, je vais sauver ma maman. Ah, allez. À tout à l'heure. Bon, je vous la refais parce que avec les interruptions des enfants, c'est pas facile. Le papier, il fait 24,4 et vous faites un pli sur le premier côté à 4 cm, puis un deuxième pli à 4,2. Vous retournez votre papier et vous faites pareil. Vous faites un pli à 4 cm et un pli à 4,2. Et on se retrouve avec un papier qui doit faire ça. Oui, elle est trop mimi. Hein. Voilà, donc on a ceci. Et le dernier papier, qui est ici, il fait normalement 14 cm. Alors, hop, 14 cm sur 6 cm et demi.
Bon, moi j'ai marqué le milieu parce que avec une perforatrice ronde là, j'ai fait le même trou qu'en bas en fait. Vous voyez, en bas de ma page, j'ai fait un trou. J'ai vraiment repéré le milieu, donc 10 cm, et j'ai fait mon trou avec ma perforatrice. Donc ça va aller là en fait, comme ceci. Voilà, mais je vous le collerai après. Donc après, sur votre papier à motif, il faut faire des trous. Alors, je me suis calée à peu près, je me suis dit, en fait, si vous voulez, que je voulais qu'en haut, il y a à peu près 2 cm, qui est 2 cm avant la cascade. Donc, j'ai fait un trait, bon là, je l'ai effacé forcément, mais j'ai fait un trait à 2 cm, comme ça, tout, avec mon crayon papier pour marquer un repère. Hop là. Donc, quand j'ai ma cascade comme ça, en fait, vous voyez la partie qui est repliée comme ça avec les deux petites ailettes, il faut, on va la coller, j'ai marqué colle là, on va la coller dessus, sur ça. Comme ça. Donc, là, comme ça. Hop. J'ai donc fait des trous pour rentrer mon mécanisme. Donc hop, premier côté, deuxième côté, voilà. Donc mon mécanisme en fait il va être caché. Normalement vous pouvez le coller là, sinon vous pouvez le coller à l'extérieur si vous avez déjà fait des cascades interactives. Vous savez que normalement on prend notre papier, on le colle sur le côté. On peut l'attacher avec des attaches parisiennes pour assurer la prise. Sauf que moi, du coup, je veux cacher les deux petites ailettes. Donc, je les mets à l'intérieur. Voilà. Donc, mon papier, il est à 5,8 d'en haut. Et il est à 2 cm des bords. Voilà. Et j'ai fait, du coup, des entailles de 6 cm. Hein, c'était 5 cm de large. J'ai fait des entailles de 5, même 5,1, 5,2, histoire qu'il y ait quand même de l'aisance. Hein, ok. Et là. Tac. Et ensuite, il vous faut une troisième entaille. Vous la voyez, elle est là. À 12 cm du haut. Oui, si tu veux. 12 cm du haut. L'entaille, elle fait du coup la taille de ça. Donc 9. Je l'ai fait un peu plus grande, je crois que je l'ai fait. Ouais, de 9,7 l'entaille. Mon papier, je vous rappelle, il fait 9,5 de large. Et donc ça fait. La cascade, normalement, vous savez, c'est comme ceci. Hop. Et quand on va tirer, c'est ça qui va se déplier. Enfin, qui va se plier plutôt. Je vais essayer de l'attraper. Voilà. Si je l'attrape avec mes doigts, on voit bien que là, c'est les plis comme ça qui vont marcher. Et quand on va déplier, ça va faire ça. Hop. Là, on le voit bien. Donc moi, je voulais cacher cette partie-là blanche. Hop là. Et donc, avec mon entaille, je l'ai glissé là-dessous. Je glisse mon papier. En fait, je voulais qu'on voie le motif. Parce que le motif est joli. Donc, pour ne pas cacher le papier, le motif, voilà. Et donc, vous voyez, ça arrive à ras, là. Donc ça, c'est parfait. Et on aura notre mécanisme ici. Et là, donc ça, on le verra. Si vous voulez, ils sont mes emplacements photo. Là, on va avoir une photo ici. C'est la dernière. On va avoir une photo ici, une photo là, une photo là et une photo là. Ça marche plus. Ah bon? Ça marche ou pas? Bon, vous allez me dire si ça fonctionne. Parce que moi, ça marche là sur mon téléphone. Ça me dit pas recherche de connexion. Bon. Donc ça va faire ça. Et quand on va tirer là, ça se dépliera du coup dessous.
Et celui-là, pardon pour le bruit, celui-là papier, en fait, c'est pour assurer ici, comme ça, un bon maintien de la languette. Et c'est ça et ça qu'on collera sur notre base de page. On collera la page, si vous voulez, en entier, mais pas la partie qui est ici, la partie qui est là. Donc, en fait, on mettra de la colle partout sur les fleurs. Là, ici, ici, ici et ici, on mettra de la colle, mais surtout pas là. Pas sur la tirette qu'on va vouloir tirer, forcément. Donc, eh ben, c'est parti, on peut tout coller. Donc, je vais vous montrer. Alors, ici, du coup, je vais mettre de la colle. Ça y est, dispute. Ouais, j'ai dû fermer la fenêtre et c'est revenu. Ah, merci. Parce que du coup, je vois pas en fait ce qui est écrit sur le téléphone. Et comme je suis le chat sur l'ordinateur, ça me dit pas sur l'ordinateur que ça bug. Donc ici, c'est comme ça. Voilà, j'ai collé. Ensuite, sur le papier ici, j'ai fait des encoches. Enfin, je me suis fait des repères pour... Ouais. Papa est réveillé, c'est ça. Pour mettre, en fait, pour que je me repère là où il faut que je mette de la colle. Oh, ça pleure, ça y est. Chacun son tour, la télé, hein. Ne pleure pas. Écoute, regarde. Arrête, les filles, elles t'entendent pleurer, hein. Non. Ben si, hein, ça c'est moi, là. Hein. Donc, les gens qui sont là, là, il t'entend pleurer. Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Ah oui, tu voulais regarder en premier, mais on ne peut pas toujours être première. Hein. Ça arrive hein, qu'on soit deuxième. Non. Bah si. Non. Oh, j'ai les doigts tout mouillés de larmes, regarde. Oh là là, la tristitude. Ah mais tu comprends ce qu'elle dit à part le nom, j'ai pas compris. C'est normal, j'ai le traducteur intégré moi. J'entends rien. Ben c'est normal, il n'y a pas de son. Et puis c'est pour aller au travail que je l'ai pris, mon casque, pour un mettre de la musique en fait. Attention Laurine, tu vas me faire des bêtises là. Donc, hop, j'ai collé la partie. Tac. Et maintenant, on va tout insérer dans notre papier. Donc, notre languette en bas, là. Voilà. Qui sera là. Et ici, les deux petites ailettes. De quoi, où? C'est moi, là. En train de filmer. Ben oui, je suis en train de filmer, je te l'ai dit. Non, là, tu es en train de filmer. Hein. Et je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et là, on met... de la colle, youp, sur les petites ailes. Tu vas faire quoi? Tu vas voir. Tu peux me le donner? Non, je peux pas te le donner, c'est pour mettre dans un album photo. Pourquoi? Bon, t'arrêtes de parler comme un bébé, là. Allez, file là, que je puisse parler avec le monde. Hop. Donc bien sûr, on fait attention que les 2 mm là, de pli ne soient pas à l'intérieur. Hein. Il faut bien qu'ils soient à l'extérieur, hein, les 2 mm de pli. Vous hein. Voyez? Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Hop. Et donc, quand ça sera collé sur la page, quand on tirera, ça fera comme ça. Tac, ça dépliera les places photos. J'adore. Alors...
On va en mettre des places photos. Je vais mater. Alors, d'abord, c'est pour choisir. Est-ce que je mets des photos 9 par 13 ou est-ce que je mets carrément des photos. Ah, franchement, je te jure, hein, Jess, j'allais dire. Jen, elle est facile. Ou est-ce que je mets des photos 10 par 15? On pourrait mettre des 10 par 15, hein. Vaya, Ouais, c'est ça, Ya. t'es la première photo quand t'étais promenée? Ouais, mais ça fait longtemps cette photo-là. Peut être pas mal, ça, non? Dans l'école. Il y en a une qui sera collée là. Et Là. après, trois au-dessus. Paf. Donc, si je prends des 10 par 15, il faut que je mate et que ça fasse 10,5 par 15,5. Oui, quand on va tirer, ça va bien se déplier, t'as vu? C'est chouette, hein? Doucement, doucement, doucement. Ouh là là, il faut tirer droit, hein, sinon tu vas m'abîmer tout le mécanisme. Non, non, tu peux pas monter, Lola. Mais non, parce qu'après, déjà que j'ai pas de place pour mes genoux. Avec ton frère. Ah non. Oh, il a mis Pokémon, le bougre. Alors, je cherche une feuille de DCP blanc, du coup. Attendez, je vais dans le tiroir. Non, non, allez, quitte de là maintenant. Sors, s'il te plaît. À tout à l'heure. Donc, 10 et demi. Et demi. Là, du coup, ça fait 16, hein, centimètres. Du coup, ça passe. Hein. J'avais calculé mon coup. Hein. Au cas où. Parce qu'en fait, il faut laisser. Il faut forcément laisser là l'espace pour que la photo passe dessous. OK? Donc là, j'avais prévu au coup, j'avais fait 16 cm. Si vous voulez faire des photos 9,5 par 13, par exemple, vous auriez pu laisser que 14 cm. Et donc, rapprocher faire les ailettes et les trous dans le papier plus proche. Vous voyez? Là, ici. Tac. Et j'ai pas pris assez de papier comme une boulou. Hop. Je vais devoir vous laisser, c'est l'heure de l'école. Je regarderai la rediff. Bon courage pour les devoirs et gros bisous Julie. Et 10 et demi. Donc là, j'ai mes places photos. Hop, hop. Et il faut les coller. Je pense que je vais piquer l'idée de cette page pour album que je suis en train de faire. Mais ouais, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'idée, elle n'est pas de moi. Hein. J'ai vu ça sur Crazy Paper il y a très très longtemps. Et maintenant, c'est comme ça que je fais les. Que je fais mes pages interactives. J'aime bien avoir le système qui est caché. Donc là, on met de la colle sur toute la longueur, mais on fait attention de ne pas en mettre sur le pli, surtout. Et on essaye de se centrer. Donc on ne fait pas comme moi. Moi, je suis toujours bancale. Donc, et on essaye de bien se centrer. Vous voyez, là, je ne suis pas centrée du tout, moi. Ici. Je vais être centrée. Ah merde, j'aurais dû commencer par le bas. Oui, parce que la blonde. Je vais commencer par le bas. La dernière photo, elle sera là. Sinon, après, je pourrais pas. Donc, ici, on aura une photo.
et on aligne le reste. Ce sera plus facile. Oh là, mais pas croyable d'être blonde comme ça. On ne colle pas le pli, hein. Faites pas comme moi. On s'aligne bien, on voit bien et on appuie. Et du coup, ça m'a décalé. Forcément. Je suis pas les nains morts. Troisième photo. Toujours pareil, on se place bien, on aligne et hop. Et la dernière, du coup. Voilà, et donc là, si on regarde bien, rien que sur la cascade, on peut mettre 8 photos. Là, on a notre cascade. Ma gomme pour la colle. Hop. Donc déjà d'une, on a notre cascade ici. Et normalement, oh là là, j'espère que ça va marcher. Tadam! Trop contente, ça marche du feu de Dieu. Et le truc, c'est que ici, on peut glisser une petite photo. On pourrait mettre très bien une photo 10 par 10 recadrée. En fait, comme ça, quand on tire... On a la photo et quand on range la cascade, ah oui, mais du coup, attendez, c'est ça qui coince, la photo, elle pourrait se recacher à l'intérieur. On pourrait très bien, du coup, glisser une petite photo 9 par 9 ou un truc comme ça. Tac. Ça marche bien, hein ? Trop fière. Donc voilà, ça, c'est la page numéro 4. Et donc, oui, je rappelle, du coup, hop là, quand on collera après sur notre base de page, on collera partout, on peut coller tout ça, sauf la partie qui est là, là. Sauf celui-là, il ne faut pas du tout le coller. C'est du coup pour sécuriser et pour pas que ça parte, par exemple, que le machin glisse d'un côté ou de l'autre, on colle les ailettes, comme ça, ça reste bien, en fait, dans le petit truc, et ça reste bien, et ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 4, ça sera à côté de celle-ci. On aura ceci. Tac. Hop là. Trop bien, je piquerai l'idée. Mais c'est fait pour, en fait. Moi, si je fais des vidéos et tout, c'est pour que les gens piquent les idées. Hein, c'est normal. Hein. Donc, regardez-moi ça. Ça, c'est pour les pages 4 et 5. J'ai bien travaillé, hein, je vous le dis. J'ai encore piqué l'idée sur Crazy Paper. Voilà. Donc, je crois que je n'avais pas dit ça. Hop. Sur un ancien album à elle. J'adore cette fille. Hein, pour les trucs interactifs. Donc. J'ai sélectionné plein de papiers. Voilà. Parce que je pense que je vais faire bleu, jaune et bleu. Alors, mon papier où j'ai écrit les mesures. Je me suis fait des brouillons. Alors, la page 5. Normalement, c'est la page 5. Elle est bleue et en face, on a la page rose. Donc, la page 6. Hop. Donc, ici, ça va être deux rabats.
un rabat en bas, un rabat en haut, comme ceci. Hop. Donc ici avec du papier décoré, donc je pensais que j'allais du coup mettre le papier bleu en rappel avec l'intérieur du coup. Hop là. Et vous voyez que j'ai fait plein de repères. Donc, sur la partie A, on va dire que c'est la partie qui est en haut, j'ai fait un repère à 2,5 cm du bord. Donc, comme c'est 20 par 20 le papier, mon papier là il fait 10 cm sur 20 cm et il y a 2 cm de pâte de collage. Donc du coup j'ai coupé un morceau de papier de 12 cm sur 20 cm. Je fais mon pli et on fait du coup des repères à 2,5 pour tracer un trait. 2,25 pardon. Et on trace un trait pour être bien droit. Donc ça sera comme ça. Hop. Pour le bas, c'est pareil. Mon papier il fait 12 par 20 cm. J'ai fait un pli de 2 cm. Et à 2,25, j'ai fait un repère et j'ai tracé une ligne. Ensuite, vous voyez ici, j'ai fait une très large encoche. Donc en fait, elle fait 2 mm l'encoche. Et elle fait... Alors, il est où mon réglé? J'ai pas noté là, en centimètres combien elle fait, mais... elle fait 11 cm. Du coup, pour la centrer, eh ben, du coup, facile, j'ai 4,5 de chaque côté. À 4,5, là, j'ai fait un trait. 4,5, après, j'ai fait un trait. Puis, après, j'ai compté 2 mm et j'ai fait un trait. Et après, avec mon cutter, je suis venue, avec ma règle aussi, surtout, pour couper droit. Je suis venue et j'ai fait un trou, comme ça. Vous le voyez bien, je pense. Et ça, ça sera le bas de notre page. Donc bien sûr, il va falloir aussi faire l'encoche quand on aura collé le papier décoré. Mais ça, je voulais le faire avec vous, du coup, voilà. Je vous explique. Pour tenir cette page, il va vous falloir un papier. Donc moi, j'avais une chute de papier, vous savez, les grandes feuilles canson et tout. Donc je me suis servi de ça. Donc c'est un papier qui fait 46 cm et demi. Donc 46 et demi sur 10 et demi. Ça sera des photos. Donc si vous n'avez pas aussi grand, vous faites en deux fois. Vous savez, vous faites 15,5 et 15,5. Du coup, ça fait 31 cm. Chose qu'on ne peut pas faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous faites juste 10 par 15. Donc, 15 cm, 15 cm. Et ensuite, vous faites 15 cm plus 2 cm de pâte de collage. Et vous le collez derrière. Et ça vous fait en fait 3 photos. Vous me suivez jusque-là? Et donc, en fait, ce papier, là, c'est notre fermeture de page. Donc, on va venir coller ici. Là, j'ai bien centré. Quand j'aurai collé mon papier, je referai les mêmes marques. Je vais venir coller ici. Du coup, après, là, j'aurai mon papier décoré ici, ici. Bon, il sera en dessous aussi. Et quand, en fait, on va faire ouvrir là, ça, ça passera en dessous, donc ça passera dans la... Ça sera collé ici. La petite partie là que je tiens avec mon doigt, c'est collé. On est d'accord? Hop, hop. Alors, je vais essayer de vous montrer sans collage. C'est dur, hein, sans collage. Hein. Alors, ça fait ceci. Là où j'ai mes doigts, là, mes deux doigts, c'est collé. Donc, ça fera comme ça, et comme ça, après, on mettra un aimant et la page, elle va tenir. C'est la place photo en fait qui va tenir toute la page. On dépliera comme ça, et ça après on pourra enlever la photo qui est là. Zou, hop, et tout ça, ça se lèvera parce que ça, ça sera collé ici. Donc en fait, les trois places photo, elles vont faire comme ça. Hop là. Vous allez voir, c'est très. En fait, c'est juste une question de logique. Bien sûr. Ah non, pas sur le t-shirt, mais prends une feuille si tu veux coller des gommettes. J'ai déjà collé sur mon livre. Est-ce que c'est quoi dans le... Mais oui, là, t'as le droit de t'en mettre une si tu veux. Yes, regardez. Là.
Des plis. Elle s'est collée un petit, une petite gommette. Voilà. Un petit pansement. Un petit pansement. Je me fais bobo. Alors, tu t'es fait bobo ? Oui. Les enfants. Alors, du coup, c'est parti. Je vais faire 19 et demi. Alors, est-ce que je mets les vagues en haut ou les vagues en bas, ou je préfère comme ça, moi. Donc, 19 et demi. Hop. Et du coup, 9 et demi. Voilà. Et l'autre, c'est 9 et demi aussi qu'il me faut. Mais du coup, pour la continuité du papier, il faut que je fasse comme ça. Donc, c'est de ce côté qu'il faut que je le coupe. 9 et 2. Et voilà. Donc, je vais me faire des repères parce qu'encore, je suis capable de couper, de ne pas coller le bon. Haut et bas. Voilà. Donc, sur le haut, du coup, en fait, mon repère, ça ne me servira pas à grand-chose, mais je le referai sur le... sur le papier après, mais c'était pour vous expliquer. Donc ici, bah, hop, on colle le haut sur le haut. Avec les vagues comme ça. Le haut sur le haut. Tac. Et le bas sur le bas. Donc là, je fais attention sur le bas de mettre de la colle bien le long de la fente là. Histoire que ici, ça soit quand même bien collé. Ok? Pas que ouais, hop. Pas que ça se décolle et tout. Tac. Et là, on met le. Pardon, merci de m'avoir collé en pansement. Mais de rien, ma cacahuète. Allez. Le bas et le bas. Donc là, c'est bien aligné. Hop. Oh non, mais Faya, tu restes dehors. Oh là là. Et lui, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Faya, c'est le chien. Hein. Le pénible. Et là, on voit mes deux petits traits. Donc, je les gomme. Hop là. Voilà. Donc, on sera comme ceci. Donc, ici, hop, il faut que je refasse mes repères. Hop là. Donc, c'était à 2,25 d'en haut. Hop. De 25 le milieu c'est 10. Alors là je me base pas sur la taille du papier décoré hein. Je me base sur la taille du papier blanc hein, pour faire mes repères parce que sinon c'est pas bon. Donc mon papier il fait déjà 10 et demi, c'est 5 25. Hop, ça va être à peu près ici. C'est juste pour me faire un repère de là où il faut que je colle. Moi, je suis toujours avec mes repères pour la colle, hein, parce que sinon, je suis jamais bien rassurée en fait quand. Ouais, c'est parfait. J'aime bien savoir où est-ce que je vais coller. Vous voyez, comme ça, je sais qu'il faut que je le colle là. Attends, Laurine, je parle. Et ça sera bon.
Qu'est-ce qu'il y a, Manel? Tu sais, en fait, je fais semblant, j'ai des bobos. Ah, d'accord. Pourquoi j'ai des bobos? Voilà, des bobos partout. Donc, ça, je peux le coller. Donc, je vais le coller sur combien de centimètres? Je vais le coller sur 7,7 cm. Donc, je vais me faire un repère, toujours. Maman? Oui? C'est avant de regarder la télé, il a déjà regardé un. Il a recommencé. Oui, non, mais ça sera à toi après, pas de problème. Mais laisse-le finir là. Laisse-lui finir son épisode et après, ça sera à toi. Mais pourquoi Ben, on te voit toi parce que t'es là. Et là, quand tu me vois, on va plus loin. Donc, c'est la partie centrale que je vais coller. Hein. Et donc, si en fait, vous faites un raccord ici avec une pâte de collage, ça ne se verra absolument pas après. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas obligé d'avoir une feuille qui fait directement 46 cm là. C'est ça, 46,5. Vous pouvez très bien faire avec des raccords et même le raccord d'en dessous, hein, on le verra pas forcément, juste quand on lèvera et tout. Mais bon, au pire, si vous avez un papier qui fait 30 cm, déjà, ça vous fait deux places photo nickel et un petit rabat en plus. Sachant que là, elle fait pas exactement 15,5, elle fait 15,4 pour pouvoir plier et que ça coince pas. Vous savez? Donc, c'est parti. Je mets de la colle sur mon repère. Donc, je peux coller tout ça. Et je colle ici. Donc je regarde quand même, normalement je suis bien droite, hein, 4,2, c'est bon. Donc, là c'est bon. Ici maintenant je pense que la colle est sèche, je vais prendre mon cutter et je vais faire le tout dans le papier. En suivant déjà ce que j'ai déjà découpé. Maman. Oui, Laurine. Je peux avoir ma bouteille d'eau de la Reine des Neiges. Ma bouteille d'eau de la Reine des Neiges. Oui, alors attends, 2 minutes, Ninette. Oui, vous pouvez prendre un bonbon. On a déjà pris un bonbon, maman. Ah bon, quand? Là. Non, mais tu peux en reprendre un. Et donc, maintenant, il suffit de coller... ici et ici. Alors, ici, on va mettre du papier décoré tant que j'y suis, parce qu'il faudra aussi faire la découpe. Et donc, je pensais mettre le papier à fleurs. Comme en fait, je le trouve très chargé, je pense que comme on le verra pas, ça me fera moins mal aux yeux. Vous voyez? Je pensais que c'était une bonne idée d'associer les deux. Donc, je vais le faire. Je vais couper mon papier à fleurs. Alors, mon papier à fleurs, c'est parti. Donc, il faut que je coupe des bandes de 19,5 par 9,5. Donc, 19,5. Par 9,5. Alors 9,5 c'est là. Hop là. Donc on peut avoir ceci. On sera bien. Là. Et du coup, comme j'ai mis là, ça sera comme ça. Donc il faut couper de ce côté. 9,5. Et voilà. Donc, je vais mettre haut.
là, bas, B, B, voilà. Hop, alors le haut il est là, hop, hop, non, comme ça, le haut, là, et là, comme ça, donc il faut que je le colle. Ceci, je vais prendre directement aussi mon papier, je vais le coller. Hop là. Donc, les baguettes, elles sont bien dans le bon sens. Ceci, l'autre côté, B, B, pareil, je remets, hop là, de la colle au bord du... pour bien coller, et la colle sur le papier décoré. Moi aussi, je veux un bonbon, la gourmande. Alors, hop, que je vérifie, c'est bien comme ça. Dans la continuité du papier, en même temps, vous me direz, on s'en fout un peu, c'est les petites fleurs, il n'y a pas vraiment de continuité, mais quand même. Et en plus, je suis en train de faire une bêtise, hein. Non ? Non, c'est bon. Je trouve si. Non, c'est bon. J'ai fait ça bien. Donc, hop. On va laisser sécher 5 secondes. Là. Hop. Du temps, je vais coller cette partie-là. Donc voilà ceci. Et donc là, on va faire la fente. Cutter. C'est bien d'avoir coupé, enfin changé la lame la dernière fois. Du coup, il est bien, bien aiguisé. Ah bah ça y est, il vient pas. Ah si, c'est bon. Hop.
ici. Et là, il y en a un petit bout encore. Voilà. Et donc, on aura ceci. Hop. La deuxième partie. Et ici, c'est donc, hop, on passe la photo, hop, hop, et hop. Et voilà. Et donc là, je ne le mets pas. Marque, si, je pourrais très bien le mettre, mais mettre un aimant ici et un aimant là. Là, je vais faire deux croix là. Je vais mettre des aimants. Comme ça, en fait, ça tiendra fermé. Et hop, pour l'ouvrir, il suffira de faire ça. J'ai tellement adoré ce système-là. Paf. Je trouve super ingénieux. Et là, je ferai une déco et tout. Donc ici, un aimant. Hop. Du coup, qui sera caché par la photo, hein, forcément. Ça sera impeccable. Et le deuxième va aller où? Et voilà. Et donc là, la page elle est terminée. On pourra donc faire une photo ou une déco ici. Bon, là, il y a le truc, donc je vais recouvrir avec un papier, je pense, jaune ou une connerie comme ça, je verrai. Hop, quand on ouvre, on a une photo là, une photo là, une photo là, une photo là. Et après, on aura là un peu de journaling, de la déco, c'est comme on veut. Et du coup, voilà. Tac. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je parte au boulot. J'ai dit que j'allais au boulot à pied aujourd'hui. Donc, hop, on a fait les deux pages. C'est cool, ça marche bien. Hein. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu du coup cette page là un peu interactive, surtout celle là moi c'est ma préférée. Hop. Et puis la dernière elle est plus simple, mais des fois ça fait du bien aussi de faire des trucs un peu plus simples. Donc ça je verrai après avec le papier qui nous restera pour faire la déco. Et puis voilà. Ouais, 3 en 1 heure écart, c'est pas mal, mais j'avais bien préparé en aval, en amont, pas en aval. Hop, et voilà. Et ben, je vous fais des très très gros bisous. Le prochain live, ça sera jeudi. Et si je me montrais un peu peut-être. Hop. Donc oui, le prochain live, ça sera jeudi. Et on va faire une page interactive encore. Et c'est encore une idée de Crazy Paper. Quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh my God, il faut que je le fasse pour tester. » Donc, je vais tester ça. Ça sera la première fois que je vais le faire. Mais j'ai bien compris le système. Donc, c'est cool. Ça ira plutôt vite. Hein. Il n'y a pas grand-chose à préparer. Puis après, il faut que je réfléchisse sur les deux dernières pages. Parce que ça... Je ne m'y suis pas encore penchée dessus. Voilà. Ben, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à jeudi pour le live. Sinon, demain pour la prochaine vidéo. Et puis, scrapez bien. Bon après-midi.